On dit que je m'habille de manière austère. On dit que je suis un parasite. On dit que je sers à rien. On dit que j'ai pas de vie personnelle. On dit de nous qu'il y a trop de rabbins, qu'on est inutile, qu'on a trop d'enfants, qu'on n'est pas assez riche, ou qu'on est un peu coupé du monde et on ne sait pas ce qui se passe exactement dans le monde. Les gens qui voient la Torah d'un œil extérieur, ils voient la Torah comme quelque chose qui fait peur, on a peur de s'approcher, qui sont ah, les barbus, les papillotes, le costume. Mais quand on goûte un peu de ce qu'il y a à la Torah, alors là, on s'aperçoit que la Torah, c'est comme du lait et du miel sous la langue. Certains pensent que je suis rien de concret, que je suis austère, que je profite même pas de la vie. Ceux qui pensent ça, ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas pas encore.